Стали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Au début de 1941, Moscou est la dernière grande capitale européenne qui vive encore en paix. Paris, Bruxelles, Varsovie sont occupés, Londres bombardé, Berlin mobilisé. Dans Moscou, épargné, le printemps est doux. Depuis quelques mois, l'atmosphère se détend. Les grands procès d'épuration achevés, le troisième plan quinquennal remplit les magasins. C'est avec confiance que les moscovites ont abordé l'année 41, même si, à l'autre bout de l'Europe, gronde la guerre impérialiste. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. En cas de danger, l'armée rouge est là, puissante, sans doute invincible. Et puis, pourquoi y aurait-il danger? Staline, habilement, a signé un pacte avec Hitler, sauvant ainsi la paix. Le 12 novembre 1940, Molotov, bras droit de Staline, arrive à Berlin pompeusement accueilli. Hitler lui propose un partage de l'Empire britannique, puisque, c'est l'évidence, l'Angleterre va s'effondrer. Molotov, plus terre à terre, réclame des explications. Que vont faire les Allemands en Roumanie, en Finlande? Pourquoi Hitler s'occupe-t-il tant de la Bulgarie, de la Turquie, des Balkans? Tout cela est très menaçant. Schmitt, l'interprète d'Hitler, est inquiet. Personne n'a jamais parlé sur ce ton au Führer. Les entretiens s'achèvent sans résultat, et c'est plein de méfiance que Molotov rentre à Moscou. Il est vrai qu'en apparence, rien n'est changé. L'Allemagne livre même de l'armement à l'URSS, qui de son côté lui envoie du blé. On assiste à d'étranges spectacles, tels celui du général Guderian, grand maître des blindés allemands, passant en revue des tanks soviétiques sous un ciel lourd d'arrière-pensée. Hitler, en fait, poursuit son opération d'encerclement diplomatique. Sans cesse, de nouveaux pays adhèrent de plus ou moins bonne grâce au pacte anti-Comintern. La Yougoslavie, récalcitrante, est bombardée et occupée en quelques semaines, ainsi que la Grèce. Les liens sont resserrés avec l'Espagne, l'Italie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie. À la chancellerie du Reich à Berlin, von Ribbentrop s'affaire au nom du Führer. Meine Herren, im Namen des Führers. Les séances de signature se succèdent, on en comptera plus de 10 entre 1940 et mai 41. À l'autre bout de la terre, un petit homme pieux et démodé s'apprête à partir pour l'Europe. Monsieur Matsuoka, ministre des Affaires étrangères du Japon, a rendez-vous avec Hitler et Staline. Selon les accords qu'il signera, on saura de quel côté penche le destin. Monsieur Matsuoka est accompagné à la gare par tout ce que Tokyo compte de diplomates allemands. Parmi eux, l'attaché de presse de l'ambassade, un certain Richard Sorg, faux nazi et vrai communiste, le meilleur espion de Staline. De Tokyo, Sorg, qui signe ses messages Ramsay, communique au Kremlin tout ce qu'il apprend.
Sur ce texte de mars 41, on lit « L'offensive contre l'URSS commencera dans la deuxième moitié de juin. Le coup le plus fort sera porté par l'aile gauche allemande. » Mais Staline, informé, n'est pas convaincu. Pendant ce temps, M. Matsuoka chemine. À Berlin, Hitler le sonde. Que ferait le Japon si, par hasard, la guerre éclatait entre le Reich et l'URSS? Poliment, M. Matsuoka se dérobe. Deux jours après, le 13 avril 1941, il est à Moscou, où il signe un pacte de non-agression entre l'Union soviétique et le Japon. Staline est enchanté, il n'aura pas à faire la guerre sur deux fronts. Le 1er mai 1941, Timoshenko, commissaire du peuple à la défense, s'adresse aux troupes massées sur la place rouge. Летчики, командиры, политработники, рабочие, колхозники и работники интеллигентного труда. Поздравляю вас с международным. Il explique par euphémisme que la situation internationale est très complexe. Товарищи, в этом году трудящиеся нашей страны и всего мира. À la tribune, à gauche de Timoshenko, Kalinin, à droite, Voroshilov, et derrière lui, impatient ou inquiet, Staline, qui va de long en large. Cette armée rouge de 1941, comment se comportera-t-elle devant la Wehrmacht entraînée, aguerrie? Ces 4 millions de soldats, groupés en quelques 170 divisions, sont dotés d'un matériel souvent ancien. Les purges de 1937 ont entraîné la liquidation de plus de la moitié des officiers généraux. À tous les échelons, maintenant, on réorganise, on s'entraîne, mais Staline, lui, sait que l'armée ne sera pas prête avant un an. Dans l'aviation, nombreuse mais pauvrement équipée, la situation est encore plus sérieuse. Or, Hitler a pris sa décision. Depuis l'été 1940, il rêve d'une campagne grandiose, la plus grande guerre de tous les temps. Ses généraux consultés n'ont guère élevé d'objections. Ainsi prend forme le plan Barberousse. Voici au musée de la guerre de Moscou le vrai plan Barbarossa. Le plan Barbarossa ne s'est pas toujours appelé ainsi. L'état-major de la Wehrmacht, l'Oberkommando der Wehrmacht, l'avait appelé d'abord le plan Otto, puis le plan Fritz. Et c'est Hitler lui-même qui, le 18 décembre 1940, a voulu lui donner le nom d'un empereur d'Allemagne qui avait conduit une croisade. C'est donc bien le sens d'une croisade que Hitler voulait donner à cette opération d'agression contre l'Union soviétique. Dans ce plan, dans la première page du plan, après toutes les indications sur le secret, celle en particulier qui dit que ce papier ne doit être manipulé que par un officier, sont développées toutes les dispositions qui devaient, dans l'esprit de Hitler, aboutir à la destruction de l'Union soviétique en 8 semaines. Entre la mer Baltique et la mer Noire, Hitler a concentré 3 groupes d'armées. Au nord, celui du maréchal von Leeb, au centre, celui du maréchal von Bock, au sud, celui du maréchal von Rundstedt, qui dispose des alliés hongrois et roumains. À chacun de ces groupes d'armées, Hitler a assigné un objectif important. Pour le nord, Leningrad, par les pays baltes. Pour le centre, Moscou, par Minsk, Smolensk, Vyazma, Borodino et Mojaïsk. Pour le groupe d'armées du sud, Kiev et l'Ukraine. Ces 3 flèches s'écartent l'une de l'autre, et beaucoup d'historiens pensent qu'Hitler a commis là une faute capitale contre la stratégie qui veut que l'on concentre toujours ses efforts. Quoi qu'il en soit, Hitler voyait plus loin encore que Moscou, puisqu'il voulait que la Wehrmacht atteigne la ligne Arkhangelsk, Gorki-Stalingrad, d'où la Luftwaffe aurait pu bombarder l'industrie soviétique de l'Oural. Les armées ont reçu pour instruction de détruire les forces soviétiques concentrées le long de la rivière Boug, la ligne de démarcation au centre de la Pologne, entre les Allemands et les Russes. Le 22 juin 1941, à 3h30 du matin, sans déclaration de guerre, la Wehrmacht entre en territoire soviétique.
Sur le Boug, les pionniers d'assaut jettent des passerelles. Les poteaux frontières sont abattus, les barbelés franchis. En fin de matinée, à la radio de Berlin, Goebbels lit une proclamation de Hitler. Ich habe mich deshalb heute entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches und unseres Volkes wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. À la même heure, à Moscou, la stupéfaction est totale. Une semaine plus tôt, l'agence TASS a démenti catégoriquement toutes les rumeurs alarmistes. Les moscovites, dont les rêves de paix s'écroulent, écoutent Molotov. Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии. Depuis le lever du jour, ce 22 juin, les Stuka bombardent les 66 aérodromes soviétiques. Les vieux chasseurs Rata de l'aviation russe tentent en vain de s'opposer à la Luftwaffe. Mais en dépit de leur héroïsme, ils sont surclassés par les Messerschmitt. Le 22 juin à midi, 1200 avions russes ont été détruits, dont 800 au sol. Pour plusieurs mois, la Luftwaffe s'est assurée la maîtrise du ciel. Alors, du Cap Nord à la mer Noire, 153 divisions allemandes s'ébranlent vers l'est, vers Moscou. Devant les panzers s'ouvre la grande plaine, des milliers de kilomètres de bois, de prairies et de villages, balayés par le vent de la steppe. Pour l'armée soviétique, la surprise est totale. Les troupes de la frontière n'ont été mises en alerte que 2 ou 3 heures avant l'attaque et n'ont pas eu le temps de s'organiser. Aucune disposition sérieuse n'a été prise pour prévenir l'invasion. En certains endroits, les divisions allemandes ne rencontrent que le vide. En d'autres points, la résistance est acharnée, mais inefficace. Au cours des premières 24 heures, les avant-gardes allemandes parcourent de 60 à 100 km. La vieille forteresse de Brest-Litovsk, à cheval sur le Boug, va cependant donner à la Wehrmacht un avant-goût de ce que sera la campagne de Russie. Quelques centaines de civils y sont enfermés avec des soldats sous le commandement d'un capitaine et d'un commissaire politique. Il faudra plus d'un mois à 4 divisions allemandes pour les réduire. Pour écraser les vieux murs de briques, le mortier Karl tire des obus de 61 cm de diamètre et qui pèsent plus de 2 tonnes. La garnison succombera finalement, non sans laisser ce message : « Je meurs, mais je ne me rends pas. Adieu, ma patrie. »
À Moscou, c'est la mobilisation générale pour 15 millions de Russes. Les permissionnaires, surpris par l'attaque allemande, regagnent en hâte leur régiment. Tout ce que le commandement soviétique peut trouver comme unité constituée est envoyé en hâte vers le front avec l'ordre de contre-attaquer. Car la doctrine militaire soviétique n'a prévu que l'offensive, mais ce n'est plus ou pas encore de cela qu'il s'agit. Chars désuets, colonnes mal camouflées montent vers le front. Les généraux, ici Boudieni, cavalier moustachu, font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils savent devant la puissance mécanique déchaînée. Mais la retraite est inévitable et peu à peu la Russie blanche doit être abandonnée à l'envahisseur. Alors Staline intervient et le 3 juillet lance l'ordre de la terre brûlée. Camarades, citoyens, frères et sœurs, je m'adresse à vous, mes amis. Jamais on n'avait entendu de telles paroles de la bouche du terrible géorgien. L'ennemi, dit Staline, ne doit pas trouver une seule machine, pas un seul wagon, pas un morceau de pain ni un verre de pétrole. Les kolkhoziens doivent emmener tous leurs troupeaux. Une sorte de frénésie incendiaire venue du fond des âges s'empare des villageois. Comme devant les chevaliers teutoniques et comme devant Napoléon, ils mettent le feu à leur propre maison. Oui, c'est vraiment la terre qui brûle. Les Allemands avancent maintenant dans un désert de brasiers et de cendres, vers un horizon de flammes qui paraît reculer sans cesse. Chars allemands en longue colonne grise sont lâchés dans la plaine.
Derrière les panzers marche l'infanterie, ivre de chant et de soleil. Sur ces immenses espaces, la guerre n'est pas continue. On se bat pour les chemins et pour les villages, à grands coups de canon, à grands mouvements de chenilles. Ainsi s'engagent les grandes batailles d'encerclement, où pour retarder l'envahisseur succombent des armées russes entières. Rares sont ceux qui parviendront, à force de vitesse et d'audace, à sortir du piège, comme ces chars et ces camions russes qui forcent le barrage des fantassins allemands. Les autres vont grossir la masse des prisonniers, dont la cruauté nazie fera bientôt des esclaves. Un ordre de Hitler prescrit d'abattre sur le champ les communistes et les commissaires politiques. Cet ordre, dit des commissaires, souvent volontairement ignoré à l'avant, les SS de l'arrière se chargeront de l'appliquer. Ainsi mourront exécutés ou affamés des centaines de milliers de prisonniers russes, parmi lesquels le propre fils de Staline. Orgueilleusement marqués aux initiales de Guderian, les blindés allemands, après une percée de 200 km, entrent dans Minsk, première grande ville sur la route de Moscou. À la radio de Berlin, le haut commandement de la Wehrmacht annonce la capture de 300 000 prisonniers et la destruction de 2500 chars. Dans les premiers jours de juillet, la cavalerie traverse la Bérézina, qui cet été-là ressemble à un paisible cours d'eau. L'avance se poursuit, marquée de combats brefs et violents. À Berlin, les communiqués se succèdent au son de fanfares martiales. Ainsi est annoncée la prise de Vitebsk. Les blindés allemands se dirigent maintenant vers Smolensk, où les choses vont changer.
Devant Smolensk, en effet, les soviétiques sortent leurs armes secrètes. Les terrifiantes orgues de Staline, que les soldats russes appellent Katyusha, comme leur chanson favorite. 36 roquettes tirées d'un camion. Apparaissent aussi les T-34, chars plus résistants et plus rapides que les blindés allemands, les T-34 qui sont probablement les meilleurs engins blindés de la Deuxième Guerre mondiale. Mais le nombre joue encore en faveur des Allemands. Après les combats, les tankistes découvrent avec appréhension les monstres blindés soviétiques. Les combats pour Smolensk vont durer 3 semaines. Il faudra réduire la ville au corps à corps. Les soldats russes résisteront jusqu'au bout, malgré les exhortations des haut-parleurs. Les communiqués sont toujours triomphants, mais le grand état-major sait que la Wehrmacht compte déjà 100 000 morts et 300 000 blessés ou disparus, soit plus de 10% de ses effectifs du 22 juin. Le matériel est fatigué, moins cependant que les hommes, l'opération Barbarossa commence à prendre du retard. Hitler sent que quelque chose, quelque part, vient de se détraquer. Dans son Junker personnel, il se rend à Minsk, jetant sur les ruines un regard indéchiffrable. La troupe l'acclame, mais les généraux appréhendent cette rencontre. La discussion s'engage devant la carte. Guderian, comme tous les généraux, estime qu'il n'y a qu'à foncer sur Moscou qui n'est plus qu'à 350 km. Pour Hitler, au contraire, Moscou n'est qu'un symbole. L'objectif doit changer. Ce qui compte, c'est l'Ukraine avec ses réserves de blé. Au milieu d'août 1941, il change le plan Barbarossa, détourne de Moscou les colonnes blindées et les lance vers le sud. Les soviétiques, eux, ne perdent pas de temps pour renforcer leur résistance.
La surprise est passée, le doute n'est plus permis, et dans chaque village, dans chaque usine, les orateurs exaltent l'esprit patriotique. La propagande de guerre est portée jusqu'aux avant-postes grâce à des imprimeries de campagne aux ordres des commissaires politiques. Mais c'est surtout par le mouvement partisan que s'exprime une farouche volonté de résister à l'invasion. De nombreux soldats qui ont échappé à la capture dans les poches de Minsk et de Smolensk prennent le maquis dans les forêts impénétrables de Russie blanche. Pour les Allemands, le danger est grand. Il pèse sur leur ligne de communication et plus encore sur leur morale. Dans la forêt, la mort peut venir de partout. Des détachements spéciaux à base de SS sont constitués pour liquider les maquis. Ils se signalent immédiatement par une extraordinaire brutalité. La campagne de Russie prend le visage de la haine. Les partisans s'assurent le contrôle de nombreux villages où les collaborateurs sont exécutés. La jeunesse s'enrôle dans les maquis et prête serment. « Je jure de me venger sur l'ennemi cruellement, sans merci et sans trêve, le sang pour le sang, la mort pour la mort. » À Moscou aussi règne l'enthousiasme. Aux actualités cinématographiques, un poète en uniforme exalte l'esprit de résistance. Родина позвала своих сыновей и дочерей защищать священные рубежи нашей советской земли. Все советские люди, рабочие и колхозники, ученые и писатели встают под священное знамя Ленина для того, чтобы отбить атаки врага, для того, чтобы не пустить подлую коричневую гадину на нашу священную советскую землю. Dans ce climat exalté, les volontaires sont innombrables. Parfois de très jeunes gens, souvent des hommes mûrs. La guerre est devenue l'affaire de tout le peuple russe. Mais l'effort le plus extraordinaire s'exerce dans l'industrie. 1500 usines ont été déménagées en hâte des régions menacées. Des dizaines de milliers de trains les ont transportées à des centaines de kilomètres de là, dans l'Oural et la Sibérie. Et quelques semaines plus tard, ouvriers et surtout ouvrières travaillent de nouveau pour l'armée rouge. Les Allemands vont apprendre que l'Union soviétique est aussi une grande puissance industrielle. Le jour même de l'invasion allemande, Churchill, de Londres, a offert à Staline l'aide de la Grande-Bretagne. Quelques semaines plus tard, Sir Stafford Cripps, ambassadeur anglais à Moscou, signe un traité d'aide. Le même accord sera signé bientôt avec Harriman, l'envoyé spécial de Roosevelt. Aussitôt, des milliers de tonnes de matériel de guerre quittent les ports anglais. Pour atteindre Mourmansk, les convois doivent traverser les barrages tendus par les sous-marins allemands. Mais le temps a passé, l'Ukraine a été conquise et Moscou, au mois de septembre, est redevenu l'objectif numéro un de la Wehrmacht. Le général Boltin, qui appartenait à l'état-major soviétique,
nous ouvre ses archives. Avant l'offensive allemande, le front était stabilisé entre Smolensk et Vyazma. Et pendant le mois de septembre, il y avait une pause dans les combats. Les forces principales du front d'Ouest étaient concentrées près de l'autoroute Smolensk-Moscou. Et c'est les armées de ce groupe étaient préparées pour l'offensive, pour la défense contre l'offensive allemande. Mais en général, le plan des Allemands était inconnu pour notre état-major, pour notre haut commandement, et le plan des Allemands était inattendu pour nous. Comment est-ce que les Allemands ont porté leur attaque alors ? Les directions de l'attaque principale, c'était le troisième groupe blindé, comme ça, au nord de Vyazma. Le quatrième groupe blindé au sud de Vyazma. Et au sud de Briansk, au sud-est de Briansk, c'est la deuxième groupe blindé du général Guderian. Le général Guderian démarre le 30 septembre en direction de Moscou. C'est le premier acte de l'opération Typhon, dont l'objectif est la prise en tenaille de la capitale soviétique. Des combats acharnés s'engagent dans les forêts de Vyazma et de Briansk. Les groupes blindés allemands, une fois encore, réussissent à encercler plusieurs armées soviétiques. Quelle autre armée au monde résisterait à un pareil choc ? Dans le camp allemand renaît l'optimisme. L'autoroute est là, toute droite, jusqu'à Moscou. Aujourd'hui, sur cette même autoroute de Smolensk à Moscou, sillonnée de camions, un ancien officier de la 17e Panzerdivision est revenu. Horst Richter. J'ai fait beaucoup de kilomètres, de milliers de kilomètres sur la route de Russie quand j'étais chef d'une voiture blindée de reconnaissance. Le 30 septembre, notre division fait un détournement vers le sud pour s'engager sur Toula, Kalouga, Toula. Juste maintenant, on n'a pas de peur des chars soviétiques parce qu'ils sont facilement percés par les obus qu'ils ont envoyés. Mais la première rencontre avec le T-34, c'était une surprise formidable parce qu'on peut tirer dessus comme il veut, et tout le puits, ils se font en l'air sans percer le blindage. Et après, c'était le temps de pluie. Et toute la route qu'on La route était impraticable. Oui, c'était, la route est devenue de plus en plus impraticable. Alors, toute l'avance, c'était immobilisé complètement. C'était à attendre, justement pour nous blinder, un peu démoralisant, parce que nous sommes habitués d'avancer toujours et de rester immobilisés, c'était quelque chose qui ne va pas du tout.
Pour l'armée allemande très mécanisée, l'épreuve est en effet sévère. Seuls quelques camions chenillés peuvent encore bouger. La vitesse moyenne des convois de ravitaillement est tombée à 30 km par jour. Les grands mouvements sont devenus impossibles. Les avant-gardes attendront 3 semaines l'essence et les munitions. Un jour, les véhicules embourbés la veille se retrouvent au matin prisonniers de la terre gelée. Plus loin, à l'arrière, la situation s'aggrave. Les lignes de communication s'étirent, l'approvisionnement est interrompu et c'est en hâte que l'on remette au gabarit allemand les voies ferrées russes plus larges. Dès que le gel vient durcir le sol, des milliers de camions se remettent à rouler avec l'espoir de rattraper le temps perdu. Quand les Allemands ont gagné l'autoroute Smolensk-Moscou, ils pensaient que la route était libre et qu'ils peuvent gagner Moscou sans difficulté. Mais le commandement soviétique a préparé la ligne de défense de Majaïsk. Et à ce moment, l'état-major soviétique a ramassé toutes les forces libres qui se trouvaient près de Moscou et les forces des armées qui ont reculé du front, ici, à la ligne de Majaïsk. J'étais lieutenant, ici, sur la ligne de défense de Majaïsk. Nos soldats étaient dans des conditions très difficiles. Durant ces jours pénibles, les combattants ne pensaient qu'à sauver Moscou. Cette idée était bien exprimée par le commissaire politique Vassili Klotchkov. La Russie est grande, mais on ne peut plus reculer. Derrière nous est Moscou. À Moscou, dont les Allemands sont maintenant à moins de 200 km, l'inquiétude s'est installée. La capitale sera-t-elle sauvée? L'ancien maire de la ville, M. Pronin, a vécu le tournant de la crise. Le 19 octobre, поздно вечером, nous пригласили в Кремль на заседание Государственного комитета обороны. Le 19 octobre 1941, nous avons été invités au Kremlin à la réunion du Comité national de défense. Quand nous вошли в кабинет Сталина, он нервно похаживал по комнате. Quand nous sommes entrés au bureau de Staline, il se promenait nerveusement dans sa chambre. Не тратя лишних слов, он подошел к столу и сказал, обращаясь к членам Государственного комитета обороны, будем ли защищать Москву? Et sans dire des mots, il s'approchait de la table et il a dit, en s'adressant aux membres du Comité national de défense, est-ce que nous allons défendre Moscou ou non? На несколько секунд наступило молчание.
quelques secondes, il y avait un lourd silence. Затем он обратился к рядом сидящему члену Государственного комитета обороны Молотову с вопросом, будем ли защищать Москву. Après, il s'adressait avec la même question aux membres du comité, monsieur Molotov, qui était assis à côté de lui, avec la même question. Est-ce que nous allons défendre Moscou? Molotov ответил, да, будем. Molotov a répondu, oui, nous allons défendre Moscou. После этого он с таким же вопросом обратился ко всем членам Государственного комитета обороны. Après, il s'est adressé à tous les membres du Comité national de défense avec la même question. На этот вопрос все ответили утвердительно. Et tous les membres ont répondu de la manière affirmative à cette question. L'état de siège, aussitôt proclamé, arrête les velléités de fléchissement. L'administration est envoyée à Kouibitchev, à plusieurs centaines de kilomètres à l'arrière. La moitié des habitants est évacuée vers l'est, mais les autres se préparent à un siège. Partout, sur les places et les boulevards, les femmes creusent des fossés anti-chars et lèvent des barricades. En quelques semaines, 400 000 terrassiers de fortune creusent 8 000 km de tranchées. Ainsi, la ville se hérisse d'obstacles, de chevaux de frise, de barricades pour les tanks, de ballons pour arrêter les avions en piqué. On protège comme l'on peut les monuments nationaux, comme le théâtre Bolchoï et le mausolée de Lénine, camouflés en isba. Après la chute de Vyazma, Staline choisit pour diriger la défense de Moscou Joukov, assisté comme officier politique de Bulganine et du tacticien Sokolovski. Le maréchal Joukov raconte sa prise de commandement. В Москву прилетел уже вечером и сразу же направился на квартиру Сталина в Кремле. Сталин болел гриппом, но работал. Поздоровавшись кивком головы, он предложил посмотреть на карту и сказал, вот смотрите, какая сложилась обстановка на западном направлении. И если вы можете, поезжайте немедленно в штаб Западного фронта, разберитесь там с обстановкой и позвоните мне в любое время суток, я буду ждать. Сложилась крайне опасная обстановка, что все пути на Москву по существу были открыты. C'était une situation très dangereuse, sans doute. Les Allemands ont pris la ville Kalinin. Après, le front allait comme ça, à l'est de Volokolamsk, entre Majaïsk et Moscou. C'était la ligne de l'approchement des Allemands près de Moscou à la fin du mois d'octobre. Moscou se prépare à l'assaut de la Wehrmacht. Chaque arrondissement de la ville fournit une division d'infanterie sommairement équipée. Et c'est ainsi que ces ouvriers en uniforme combattront les blindés allemands. De nombreuses femmes s'enrôlent dans l'armée rouge, souvent comme infirmières, comme Madame Lucie Galinskaya.
J'étais une étudiante à Moscou et quand la guerre a éclaté, tout de suite, je suis allée au commissariat militaire pour demander qu'on m'engage. Au front, on faisait tout pour arrêter l'ennemi et on pensait toujours que ça va s'arrêter de toute façon avant d'arriver à Moscou, parce que l'idée de rendre Moscou ne pouvait pas venir à l'esprit. Et malgré les difficultés et tout ça, je n'aurais jamais cru qu'il y ait une telle unanimité dans le combat. Et même quand les unités qui reculaient, on voyait beaucoup de blessés et tout ça, ce n'étaient pas des gens abattus, ce n'étaient pas des gens opprimés, mais qui disaient « c'est momentané, on va tout de suite redresser la situation ». Pour abattre le moral des moscovites, la Luftwaffe lance des raids de terreur. Tous les soirs, des centaines d'avions, les mêmes qui l'année précédente bombardaient Londres, s'envolent vers l'Est. Chaque nuit, le maire de Moscou, M. Pronine, décroche son téléphone. « Allô, le chef d'état-major, donnez l'alerte !» Dès que les sirènes se font entendre, les habitants descendent dans le métro, le pharaonique métro de Moscou, inauguré 3 ans plus tôt. Les Allemands cherchent à incendier la ville qui compte encore beaucoup de maisons de bois. La capitale est entourée d'une triple ceinture de DCA d'une formidable efficacité et les bombardements restent assez désordonnés. Мы стоим на нашей священной Красной площади. Nous sommes sur la place Rouge Sacrée. Направлял войска зарождающейся Красной Армии на разгром интервентов. D'où le grand Lénine a envoyé l'armée qui venait de naître sur le front. Мне вспоминается, как в один из яростных налетов мы возвращались с Москворецкого моста, в который попала фашистская бомба. L'avion de l'ennemi a jeté sur la place Rouge quelques dizaines de bombes incendiaires. Ярким пламенем осветилась московская и кремлевская стена. La flamme éclatante a éclairé le mur du Kremlin. Мавзолей Владимира Ильича Ленина. Le mausolée de Lénine. Исторический музей. Le musée historique. И собор Василия Блаженного. Et la cathédrale de Basile Bienheureux. Надо было срочно гасить зажигательные бомбы. Il fallait étouffer les bombes incendiaires d'urgence. Вдруг из главного подъезда ГУМа выбегает несколько маленьких фигурок. Tout d'un coup, de l'entrée principale de ГУМ sort de quelques petites silhouettes des enfants. Это были школьники. C'était des écoliers. Руки были обернуты от ожогов мокрыми кепками. Leurs mains étaient protégées contre les brûlures par les шапкas mouillées. Они быстро хватали обернутыми кепкой руками бомбы. Ils saisissaient les bombes par les mains, protégées par leur шапка. Силой ударяли их о мостовую. Frappaient ces bombes contre le pavé avec la force. Горючее вещество отрывалось, и бомбы гасли. Et comme ça, on étouffait les bombes. Ainsi, dans Moscou menacée, toute la population civile devait, en 1941, suivre des cours d'extinction de bombes incendiaires. Il n'y a plus beaucoup d'hommes, et ce sont les femmes et les enfants qui sont groupés en brigade de défense contre l'incendie. La vie est chaque jour un peu plus difficile, les contrôles plus rigoureux. On dit qu'il y a partout des espions allemands. Le froid se fait plus vif
et cet hiver de guerre est dur aux pauvres gens. Un journaliste français a vécu avec les moscovites, leurs craintes, leurs sursauts, leur courage, Jean Champenois. J'ai vu que l'annonce de la déclaration de guerre, l'annonce de l'invasion allemande, a été un coup de foudre, littéralement, pour la population. Et d'autant plus que tout le monde s'est demandé ce qui allait arriver. Et les gens étaient tous à peu près convaincus que le monde entier allait se tourner contre l'URSS. Que les Anglais, les Américains allaient se jeter dans les bras de Hitler et, par conséquent, l'avenir était assez sinistre. C'est quand même le contraire qui s'est produit. C'est le contraire qui s'est produit, mais les gens ne pouvaient pas le savoir. Tout l'indiquait, enfin la propagande, les journaux, tout indiquait que c'était une guerre du monde capitaliste contre le monde socialiste. Voilà comment les choses se présentaient. Est-ce que c'est devenu aussi une guerre russe ? À mon avis, c'est devenu presque tout de suite une guerre russe. Une guerre nationale. D'ailleurs, on peut le remarquer dans les documents officiels, les communiqués, les articles de journaux, on parlait tout le temps des envahisseurs fascistes allemands, les hitlériens. Le peuple disait simplement les Allemands. Et ça, presque tout de suite. De quoi souffraient surtout les habitants de Moscou ? La population a souffert d'abord, évidemment, de cette grave inquiétude. Et puis, elle a souffert de la faim et du froid. Les gens n'avaient plus de chauffage. Vous vous représentez ce que ça peut être ici. On affirme que Staline n'a jamais quitté Moscou. Staline n'a jamais quitté Moscou. Ça a certainement eu une énorme importance morale. Certainement, une énorme importance morale. On savait qu'il n'avait pas quitté Moscou et on savait qu'il ne le quitterait pas. On était convaincus qu'il se ferait tuer au Kremlin s'il le fallait. Staline, le 6 novembre, décide de sortir du Kremlin pour se rendre au métro Maïakovski où sont réunis les Komsomol. Товарищ Сталин сказал. Теперь итоги четырех месяцев войны я должен подчеркнуть, что эта опасность не только ослабла, а не ослабла, а наоборот, еще более усилилась. Враг захватил большую часть Украины, Белоруссию, Молдавию, Литву, Латвию, Эстонию, ряд других областей. Забрался в Донбасс, навис черной тучей над Ленинградом. Угрожает нашей славной столице, Москве. Le lendemain, 7 novembre, nouveau grand coup psychologique. La revue traditionnelle aura lieu sur la place Rouge, à l'abri des lourds nuages de neige, et Staline y tient un langage nouveau. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки. Плюс в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского. Кузьмин Минин, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков. L'armée rouge que Staline appelle ainsi à sauver la Sainte-Russie a bien changé depuis 6 mois. Les soldats qui défilent aujourd'hui sous la première neige de l'année sont aguerris et équipés de neuf. Les bataillons de travailleurs traversent à leur tour la place rouge. Mais à peine la revue terminée, les troupes qui viennent de défiler sont envoyées vers le front, qui n'est plus qu'à 100 km, car déjà se dessine l'encerclement de la capitale. Sur les routes qui mènent à Moscou, la chaussée de Leningrad, la chaussée de Volokolamsk,
ils vont constituer des barrages. Tout l'espoir de sauver Moscou repose sur les chars, montés par de très jeunes gens, parfois des frères, comme ceux-ci que leur père salue avec respect. L'ultime offensive allemande se déclenche une semaine plus tard. Le lieutenant Diltay était à l'avant-garde de la 2e Panzerdivision. Ici, de Borodino, le fameux champ de bataille entre la Grande Armée et les Russes, nous sommes partis pour notre dernière offensive contre Moscou le 14 novembre 1941. Les panzers allemands, malgré les pertes subies, malgré le froid qui s'aggrave, malgré la résistance qui se durcit, foncent encore une fois vers l'est à travers les champs gelés. L'avant-garde atteint la Volga, puis le canal de la Moscova qui charrie d'énormes glaçons. L'objectif n'est plus qu'à 50 km. Au sud, Guderian a dépassé le méridien de Moscou. La tenaille pourtant ne se refermera pas. Aujourd'hui, les ponts sont reconstruits sur le canal de la Moscova. Quand la température tombait au-dessous de 30 degrés, la lutte contre le climat était encore plus grave que la lutte contre l'ennemi. Ce n'était pas seulement de conquérir un village, c'était de trouver un abri pour le soir pour se réchauffer. Mais l'hiver était également rigoureux pour les Soviétiques. Ils étaient peut-être mieux équipés, mais ils ont pu mener une campagne d'hiver plus vigoureuse. Ils étaient beaucoup mieux équipés, ils avaient des habits d'hiver qu'il nous manquait absolument. Nous avons eu seulement les manteaux et moi j'étais heureux d'avoir deux manteaux pour me protéger un peu plus contre le froid. L'armée allemande, en vérité, est complètement surprise par le grand froid. L'orgueil hitlérien a joué sur la vitesse et a perdu. Pour les soldats mal équipés, la bataille devient un calvaire. Mais les ordres sont les ordres et l'avance doit continuer.
En Allemagne, les nouvelles du front de l'Est provoquent la stupéfaction, puis l'émotion. 3 millions de parents de mobilisés vident leur grenier. Une gigantesque collecte s'organise à travers le Reich. Mais il est trop tard, et les trains bloqués par le gel, interceptés par les partisans, mettront 2 mois pour atteindre la Russie. Pendant ce temps-là, on présente à Hitler quelques inventions dérisoires. Mais l'arrogance reprend vite ses droits et la bureaucratie nazie distribue déjà des billets de logement pour les bâtiments officiels de Moscou, y compris les hôtels, les établissements de bains et bien entendu la milice. Les tout premiers jours de décembre 1941, les avant-gardes allemandes, dans un ultime effort, parviennent à 30 de kilomètres de Moscou. Elles n'iront pas plus loin. La résistance acharnée des soviétiques, le sacrifice des volontaires, auront raison des panzers et des grenadiers. Alors, les premiers jours de décembre 41, nous sommes arrivés sur cette place à une distance de 36 km du Kremlin. Les Allemands sont en effet arrivés jusqu'ici, à cet arrêt d'autobus de banlieue, à Krasnaya Poliana. Le 1er décembre, nous avons pu traverser la ligne du chemin de fer de Kalinin à Moscou. Et ben là, la résistance des Russes devenait fort de plus en plus, de jour en jour. Le 4 décembre, j'ai fait encore une dernière attaque avec un groupe de combat qui consistait de 2 chars et d'environ 50 soldats pour prendre le village prochain. Mais là, nous étions abattus par l'artillerie russe qui a abattu 2 chars et c'était impossible de continuer l'attaque ce soir même. Il me restait qu'un seul soldat et moi qui ont fait la campagne de Russie sans être blessés et 5 soldats avec lesquels j'étais parti de Ostrog, alors c'est la frontière de Pologne, et ils étaient blessés, mais ils étaient revenus à la troupe. Et tous les autres avaient été mis hors de combat? Mis hors de combat, blessés ou morts, oui. Là, je crois, le dernier soldat et aussi le dernier officier a vu que c'était impossible d'atteindre encore le but. À cette fois, les Allemands avaient baigné le canal Moscou-Volga, près de Dimitrov, ici, voilà. Et après, ils ont presque encerclé la ville Toula, voilà, comme ça. Et on s'approchait à la ville Kachir. Et voilà, c'était la ligne du front au 1er décembre 1941. C'était la ligne de l'approchement allemand près de Moscou au maximum. Pourquoi, à votre avis, les Allemands n'ont-ils pas été au-delà de la ligne que vous indiquez? Parce qu'ils n'avaient pas des forces pour attaquer Moscou. Sans doute, toutes les circonstances de cette offensive pour les Allemands étaient très difficiles. C'était le commencement de l'hiver, les froids, la boue. Elle jouait sans doute son rôle. Mais en général, ils n'avaient pas assez de force pour attaquer Moscou. Et sans doute le moral
des soldats soviétiques, de notre officier, des troupes soviétiques en général, était plus haute que le moral des troupes allemandes. Voilà, dans ce domaine, la supériorité était aux mains du commandement soviétique. L'offensive allemande s'est arrêtée le 4 décembre, et dès le lendemain 5 décembre, l'armée rouge a lancé une contre-offensive. Comment est-ce qu'il a été possible de faire aussi vite? Mais la contre-offensive soviétique se préparait pendant longtemps. C'est pendant tout le mois de novembre que le haut commandement soviétique ramassait les réserves près de Moscou. La première armée de choc, la 20e armée, après la 26e armée, la 10e armée, la 61e armée et les autres forces. C'est voilà pourquoi la préparation de l'offensive se déroula pendant tout le mois de novembre et les forces étaient préparées pour la contre-offensive. Il fallait du mérite pour garder des armées en réserve alors que les Allemands étaient si près de Moscou. Oui, sans doute, c'était une question très compliquée. Parce que les commandants des armées ont demandé des réserves au commandant du front, et sans doute le commandant du front, le général Zhukov, a demandé des réserves au commandant suprême, et il fallait avoir une grande, comment dire, grande volonté pour ne donner pas ces réserves, pour les préparer pour la contre-offensive. Venus de l'Oural et de Sibérie, les armées de choc montent en ligne. Les rudes sibériens acceptent, sans grelotter, de combattre par 40 degrés au-dessous de zéro. C'est une nouvelle armée rouge qui sort des arsenaux et des forêts, avec de nouveaux chefs, tels le général Bilov, le général cosaque Dovator, le manœuvrier Rokossovski, le futur maréchal Koniev. У меня никогда не было мысли, что немецко-фашистские войска захватят Москву. Я был убежден, что немцы не победят советский народ потому, как говорил Ленин, что никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою советскую власть, власть трудящихся. В основе оперативно-стратегических ошибок лежит авантюризм, недальновидность и самоуверенность Гитлера и его генералитета, неподготовленность к зиме лишь свидетельствует о недальновидности гитлеровского командования. Слепо веря в придуманную ими самими теорию Блицкрига и свою непобедимость, немцы жестоко просчитались. Я лично во время битвы под Москвой знали одно. Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва. И поэтому, руководя войсками, мы все, начиная от командующего фронтом и до солдата, героически сражались за свою любимую столицу и были уверены, что мы победим. Le 5 décembre, la contre-offensive est lancée. Allez!
c'est Koniev qui le premier attaque sur le front de Kalinine au nord de la capitale. Dimitrov et de Klin sont les premières libérées. L'aviation russe reprend possession du ciel d'hiver. Les villes et les villages tombent un à un, comme ici Kalinine, où les combats sont rudes. Des centaines, bientôt des milliers d'Allemands sont capturés, assommés par l'hiver et par la défaite. Les cimetières de chars et de camions jalonnent la retraite allemande. Les colonnes de la Wehrmacht, harcelées par l'aviation, se traînent vers l'ouest. Les Cosaques les poursuivent. Tandis que son armée s'enfonce dans le blizzard, laissant des centaines de milliers de morts, Hitler furieux limoge Guderian et la plupart de ses généraux. Moscou est sauvé, mais les pertes ont été sévères. Et tandis que le danger s'éloigne, on enterre les morts. Comme ici le général Dovator, tué à la tête de ses Cosaques.
Moscou est sauvée, mais les cadavres des civils jonchent la campagne blanche. Avant de se replier, les équipes de tueurs de la Gestapo, qui marchaient comme des hyènes sur les pas des soldats, ont assassiné leurs prisonniers. À Volokolamsk, les combattants de la résistance ont été pendus. Moscou est sauvé, mais le patrimoine russe est ravagé. La maison de Tchaïkovski est démolie. Celle de Tchekhov incendiée. Celle de Tolstoï pillée. Près de la tombe du vieux poète, qui chantait la paix plutôt que la guerre, un cimetière militaire allemand. La haine appelle la haine, la cruauté, la colère. Les Soviétiques ont repoussé la Wehrmacht à plus de 100 km de Moscou. Il repasse devant le vieux monument de Koutouzov à Borodino. L'heure de la libération est arrivée. Encore plus de 3 ans de guerre pour que le territoire russe soit complètement libéré. Mais à Moscou, on peut maintenant penser à préparer Noël.